notre gouvernement tend la main toujours à l'Occident. On n'a pas besoin de mendier. On a besoin de faire en sorte que les ressources que nous avions là puissent aller vraiment profiter au peuple nigérien. Il y a eu de fortes précipitations pluvieuses cette nuit qui nous empêchent aujourd'hui d'aller très tôt à Dargol. Il pleut beaucoup ces jours-ci à Niamey. Ça rend la situation très difficile avec des inondations. Tant qu'on a levé les enfants, ça commence à tomber. On n'a même pas pu enlever nos affaires, quoi. Vraiment, il y a beaucoup les gens, il y a des familles actuellement, ils n'ont pas de nourriture, de maison, ils n'ont rien jusqu'à présent. Bon, l'État n'a pas intervenu parce que nous, on n'a rien vu jusqu'à présent, on attend. Nous, on continue à mendier chaque fois, malgré la richesse de notre pays en uranium. Et en or, et actuellement nous sommes aussi le pétrole. Si on profite bien de nos ressources, si l'argent est dépensé dans les normes, nous n'avions pas besoin de ça. Et nous allons à Dargol pour une conférence publique avec les autorités locales, les populations, les médias, en vue de sensibiliser sur l'utilisation du cyanure dans l'orpaillage. C'est une mission de sensibilisation du Rotab. Notre plus grand problème aujourd'hui, c'est le cyanure que ces populations utilisent. Oh, il y a une voiture qui est tombée dedans. Oh là là! Vraiment dramatique, ça. Ce temps qui n'est pas de perte en vie humaine. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de route quand il pleut au Niger. Tout est... Les gens ont utilisé l'argent de l'uranium à se faire des maisons, à s'enrichir. Hein. Les gens n'ont jamais utilisé ça pour faire des infrastructures. Aujourd'hui, il manque tout dans ce pays. Il manque tout. La corruption empêche à ce qu'il y ait développement. Il y a la place? Oui. Ok, on a la chance. Waouh! On a la place. Waouh! Pourquoi on milite pour cette question de transparence? Je prends un exemple. En 2007, le Niger a reçu comme bonus de signature du contrat pour l'exploitation d'uranium, 30 milliards de francs CFA. Le Niger a pris 25 milliards pour mettre en armement. C'est un secteur où on ne pourra pas contrôler la dépense. Quand vous parlez de défense, on dit confidentialité, non-transparence dans la passation des marchés. Donc, les gens s'entendent pour détourner l'argent.
La transparence est la règle d'or pour nous amener à ce que ces ressources nous profitent réellement. Toutes ces ressources peuvent aller directement dans ces secteurs prioritaires, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage, et faire en sorte qu'il y ait un développement harmonieux de nos peuples. Sensibiliser, former, éduquer en vue d'avoir des citoyens avertis, capables de défendre leurs droits, capables de dire non quand ça ne va pas. Si on continue à exploiter ces ressources de la même manière, dans quelques années, vous saviez bien qu'il n'y aura plus de terres cultivables dans ces régions. Et pire, notre sujet du jour, qui est l'utilisation du cyanure, crée des conséquences dramatiques sur la faune et la flore. Aujourd'hui, cyanure, c'est, par rapport aux conventions internationales, c'est une arme chimique. Il faut l'autoriser avec méthode. L'adoption des traités. La population consomme le cyanure et a beaucoup de maladies ces derniers temps-là. Et surtout, on parle toujours de choléra. Et selon nous, ce n'est pas la choléra, c'est seulement l'utilisation du cyanure là dans le fleuve. Vous voyez le travail des enfants sur les sites d'industrie d'extraction de l'or. On a même voté une loi récemment. C'est carrément désolant ça, cette situation des enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, mais qui sont utilisés dans l'industrie extractive avec le poison qu'on estime le plus dangereux au monde. C'est dramatique. 24 ans qu'elle est en train de s'empoisonner sans le savoir. Si cette femme n'a pas besoin de ça, elle ne viendra jamais faire ce travail. Mais du fait qu'elle est exposée à la pauvreté, elle est obligée de faire ce travail pour pouvoir supporter ses enfants et nourrir sa famille. C'est désolant. Ce sont seulement des compagnies qui en profitent et qui engrangent les bénéfices par rapport à l'exploitation de ces ressources. Nous, c'est se battre, nous continuerons à nous battre pour que les choses changent. Nous continuerons à nous battre contre les compagnies et les politiciens véreux qui n'utilisent pas l'argent pour faire en sorte que nous puissions lutter contre la pauvreté et la misère de nos peuples. Nous continuons à lutter contre les compagnies qui viennent exploiter nos ressources et nous laissent seulement les maladies. Nous continuerons à nous battre contre les inégalités dans ce pays. Salam alaikum. Président, ça va? Ça va bien? La loi pour laquelle on se bat aux États-Unis, la Dodd-Frank, est passée hier au Sénat américain. Ah, ok,
qui rend obligatoire les paiements par les compagnies américaines et tout ça, la publication des revenus, vraiment qui prend la transparence dans ce domaine. Donc c'est le petit déjeuner du jour. Donc ça mérite le méchoui. Et la oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi chercher, je te rappelle tout de suite.